Celui qui n'a pas de fin ni de commencement. Il dit là qu'il va dire ni commencement ni fin. Amen. Quand il vient quelque part. L'elvini au côté. Nous devons l'honorer. Nous devons honorer lui. Avant de rentrer dans le message. Avant que vous rentrez dans le message là. J'étais surpris par quelque chose. Moi j'étais surprise par un bagage qui fait pas souhait là. Ce n'est pas ce qu'elle m'expliquait à côté de moi. C'est pas ça ce que Caroline t'a expliqué là qui fait une surprise. J'écoutais la voix de l'ange. M'attendais voir l'ange là. Qui me parlait clairement par rapport à ce qu'on est en train de dire. Et pour t'a parlé clairement par rapport à ce qu'on. Quand l'adoration. L'adoration t'a faite là. M'attendais l'ange qui a parlé avec moi. J'étais tellement touché, je pleurais. Moi j'étais tellement touché, je me criais. Qu'est-ce qui peut dépasser la présence d'Elohim? Qui ça qui a dépassé la présence d'Elohim dans la vie, nous? La voiture, tout ce que vous avez, rien ne peut dépasser. Machine, tout ce possédé, pas non, il n'y a qu'à remplacer la présence d'Elohim dans la vie, nous. La présence de Dieu. Présence de Dieu. Ça manque beaucoup aux chrétiens. Ça manque, les chrétiens ont manqué ça en pile. Amen. Ils sont des directeurs, ils sont des grands hommes. Yo, c'est directeur, yo, c'est grand homme. Ils n'arrivent pas à acclamer. Yo, pas acclamer. Ils n'arrivent pas à se coucher. Yo, pas coucher. Ils n'arrivent pas à vivre la yo, présence de Dieu. Yo, pas vivre la présence de Dieu. Quand j'étais en présence de l'Éternel autrefois. L'Éternel en présence de Dieu autrefois. À New York, dans mon programme. Non, en New York, mon programme n'était avant de venir là. Je disais aux gens. Moi je dis Mounio. Si vous voulez aller à Beauville, vous pouvez aller. Si vous voulez aller à Beauville, vous mettez aller. Vous pouvez aller au cinéma. Ou bien aller dans le cinéma si vous voulez. Vous pouvez rester dans votre bureau. Ou carrément dans le bureau si vous voulez. Vous pouvez croire que vous êtes quelqu'un. Ou qu'à quoi son bagage. Mais devant sa présence. Mais devant la majesté. Vous ne pouvez pas comprendre. Alléluia. La meilleure des choses que moi je sais faire dans ma vie. Et meilleur bagage que je compte faire dans la vie, moi. C'est quand je suis prosterné devant lui et je l'adore. Et l'homme prosterné devant mon Dieu, moi, adoré mon Dieu. Je ne peux pas prier jusqu'au matin. Moi, je ne peux pas prier jusqu'au matin. Juste dans le matin, je ne peux pas prier. Je ne peux pas lire jusqu'au matin. Je ne peux pas faire nuit à lire jusqu'au matin. Mais je peux me coucher devant lui. Même qu'à coucher devant la majesté. En train de l'adorer. Pour m'adorer. Durant 7 jours. Pour 7 jours. Consécutivement. Sans arrêter. Parce que je suis devant le roi des rois. Parce que je suis devant le roi des rois. Je suis devant le rocher des âges. Oui, devant le rocher des âges. Je suis devant l'admirable conseiller. Oui, devant l'admirable conseiller. Je suis devant celui que le diable ne connaît pas. Oui, devant celui-là que le diable n'a pas connu. Et il est un ministère pour le diable. Il est un ministère pour le diable. Listen to me tonight. Et étendez ma soeur. Hier, je disais quelque chose que vous ne comprenez pas. Il qu'on va comprendre. Si tu n'arrives pas à sentir sa présence. Si tu n'as pas senti la présence, mon Dieu. Tu as un gros problème. Où sont gros problèmes? Où sont gros problèmes? Tu n'as pas senti sa présence, mon Dieu. Tu n'es pas normal. Ou pas normal. Si tu ne sens pas sa présence. Tu n'as pas senti la présence. Tu n'es pas vivant. Ou pas vivant. Ou pas vivant. Il est très saint. Il est très saint. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je connais si nous comprenons. Moi. Quand on est venu dire à Esaïe. Léa vient dire Esaïe. Que Israël a eu des problèmes. Que Israël a eu des problèmes. Et ils ont pris l'arche de Dieu. Ils ont pris l'arche de l'Éternel. Ils ont pris la présence de Dieu. Ils ont pris la boîte d'alliance, ils ont pris la présence de Dieu. Ils sont partis avec la présence de Dieu. Ils ont parti avec la présence de Dieu. La Bible dit Esaïe est tombé. La Bible dit Esaïe est tombé là, il est mort. Il est mort. Il mourit là pour là. Pourquoi il est mort? Pour qu'il s'en mourir. Quand on lui a dit, Léo dit-lui que ses enfants sont morts. Que petit lui a mouru. Ça ne l'a pas gêné. Ça va gêné. Mais quand on lui a dit, mais Léo dit que l'arche de Dieu. Que boîte d'alliance là. Ebenezer. Ebenezer.
dit que la gloire de Dieu. Mais on dit la gloire de Dieu. Les prochains ne les vont pas. Devant moi, on a mis mon enfant dans la machine, ils ont crié. Moi-même, devant, ils ont mis des petites mains. Ils ont crié ça dans la machine. Ils ont crié la machine devant. L'eau avec le sang. Oh, ils ont fini avec l'eau avec le sang, ils ont crié devant des gens. Je ne vais pas gêner, non? Je peux tout perdre. Je ne vais pas perdre tout bagaille. Mais la présence de Dieu. La présence de Dieu. Jamais. Parce que dans sa présence. Parce que dans la présence, lui. Les montagnes se déplacent. Vos cailloux déplacés. Parce que dans sa présence. Dans la présence, lui. Les maladies s'égagent. Les maladies ont dégagé. Parce que dans sa présence. Dans la présence, lui. Les poids plus marques. Les aveugles le voient. Sœur, c'est la seule chose qui nous reste. C'est celle bagaille ça nous gagne comme héritage. C'est la seule chose qui ne nous trompe pas. C'est celle bagaille qui ne pas tomber, non. You need to feel the presence of God. On besoin de sentir présence de Dieu. You need to feel the power, the power. Ça manque dans l'église. Ça manque dans l'église, nous baguons ça. Ça manque dans nos maisons. Et nous manquons ça dans la caille. Au lieu de sentir la présence de Dieu. Au lieu pour nous sentir la présence de Dieu. Nous sentons les paroles. Les discussions. Mais nous sentons les discussions. Les discussions. Oui, mais qui va y être loin. Non. Si l'Amérique entière. Si l'Amérique tout entière. Commence pas à sentir la présence de Dieu. Je t'ai commencé à sentir, à vivre la présence de Dieu. Est-ce que Al-Qaïda peut vous faire peur? Est-ce que Al-Qaïda t'a fait peur? Est-ce que quelqu'un peut vous faire peur? Est-ce qu'un monde t'a fait peur? La présence de Dieu, c'est le bouclier. Et la présence de Dieu, c'est le bouclier. Amen. Parce qu'il ne répond pas le feu. Parce que mon Dieu, ça ne répond pas du feu. Parce qu'il ne répond pas le feu. Mon Dieu, ça ne répond pas du feu. Parce qu'il ne répond pas le feu. Il change l'histoire des orphelins. Il change l'histoire des orphelins. Il change l'histoire des veuves. Il change l'histoire des veuves. Il change l'histoire de tout le monde. Il change l'histoire de tout le monde. Parce qu'il est terrible aussi. Oh, bon Dieu, ça terrible. Bon que quelqu'un se lève et acclame Jésus. Que quelqu'un acclame Jésus. Que quelqu'un acclame Jésus. Acclame Jésus. Le roi, le saint d'Israël, l'homme de Galilée, l'homme.
des saints. Oui, vous êtes saints. Tu es l'alpha et l'oméga. Le lion de la tribu de Juda. L'étoile brillante du matin. Le rocher des âges. Celui qui ne change pas. Celui qui demeure le même. Aujourd'hui éternellement. Ceci nous te disons merci. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un sente sa présence. Quelque chose va changer ce soir.
disparaître ce soir. La maladie va disparaître ce soir. Alléluia.
de tous ceux qui nous ont visités. Alléluia. Pour les hommes de Dieu, en ce lieu. Tout homme de Dieu qui n'a place. Selon la parole de l'Éternel. Selon parole, mon Dieu. Le Seigneur veut mettre de l'ordre plus dans ton église. Mon Dieu veut mettre plus l'ordre dans l'église. Le Seigneur veut enlever les mauvaises graines. Mon Dieu veut lever mauvaises graines. Jusqu'au niveau de la chorale. Jusqu'au niveau chorale là. Jusqu'au niveau de ceux qui ont travaillé avec toi. Jusqu'au niveau qui t'a fait avant yo. Et qui t'ont laissé. Et qui critiquent yo. Qui t'ont critiqué. Qui critiquent yo. Qui t'ont jugé. Yo jugé yo. Le Seigneur ne t'a pas jugé. Et le Seigneur va jugé au nom de yo jugé. Il veut bénir le ministère. Il veut bénir le ministère. Il veut agir grandement dans le ministère. Il veut agir grandement dans le ministère. Et qui te manque. Et sans manquer. Tout le Seigneur te le dit. Et le laisser à tourner. Je préfère que tu sois bon. Et me plaît comme bon. Envers le Seigneur. Envers le bon Dieu. Que d'aménager ceux qui sont avec toi. Et que tu aménages mon gars pour vous. Quand vous allez quitter ici, c'est ça. Et l'homme a quitté ici à soi. Selon la parole du Saint-Esprit. Selon sa Saint-Esprit, dit mon Dieu. Ne fais plus le ministère. Pas jamais le ministère. Avant que le ministère encore. Avec sentiment et émotion. Avec sentiment et émotion. C'est terminé dès ce soir. Avant qu'il y ait un sentiment avec émotion. C'est le serviteur de Dieu. C'est le serviteur de Dieu même qui nous a. Parce que le Seigneur veut grandir l'église. Parce que mon Dieu veut grandir l'église. Le Seigneur veut bénir l'église. Le Seigneur veut bénir l'église. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut utiliser. Parce que tout ce que tu as traversé dans ton foyer. Tout ce que tu as traversé dans ton foyer. Tout ce que tu as traversé dans ta vie. Tout ce que tu as traversé dans le Seigneur. Amener par là. Oh, le Seigneur me mène en avant. Pour que tu puisses comprendre les autres. Pour qu'à comprendre le monde. Pour que tu puisses réconseiller. Pour qu'à conseiller. Pour que tu puisses me bénir. Pour qu'à bénir. Alors pourquoi? Alors pour qui ça? C'est l'homme de Dieu. C'est votre bon Dieu. Dieu veut t'amener très loin. Bon Dieu veut m'amener très loin. Et il ne ment pas. Et il part par moi. Alors à partir d'aujourd'hui. À partir de soir. Quand tu retournes. Le retourner. Dans ton église. Dans l'église. Il faut remettre les choses en ordre. Remettre les choses en ordre. Et surtout la question d'heure. Et surtout la question d'heure. Chaque fois. On ne peut pas revenir sur la même chose. On ne peut pas retourner sur le même bagage. Quand ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Toi commence. Ou même où tu veux commencer. Allez au même seul. Parce que tu pratiques l'esprit de Dieu. Parce qu'on fatigue l'esprit, mon Dieu. Tu fatigues l'ange qui est délégué pour l'église. On fatigue l'ange qui est délégué pour l'église. Quand l'ange vient, l'ange a fini. Tu es obligé. Ou obligé. De faire selon ce que Dieu veut. Mais tu le fais ça, mon Dieu. On ne va pas ce que Dieu veut. On ne va pas ce que Dieu veut. On ne va pas ce que Dieu veut. Alléluia. Alléluia. Nous devons faire ce que Dieu veut. Nous devons faire ça, mon Dieu. Ce que la volonté de Dieu désire. Même si les gens ne t'acceptent pas. Même si le monde va accepter. Même les gens ne sont pas d'accord avec même toi. Même si on va d'accord avec toi. Fais ce que Dieu te dit. Fais ça mon Dieu. Fais-le. Il peut quitter. Allez, mais dis donc. Il peut quitter les filles. Dieu même va amener ce qu'il faut. Parfois ça choque l'église. Mais il n'y a pas de problème. Mais ça n'a pas de problème. Même pour tout ce qui est ici. Même nous-mêmes qui là, nous tous qui là. Si vous refusez de venir ici. Si vous refusez de venir dans l'église, ça. Dimanche prochain. Si vous refusez de venir dimanche, ça, dimanche prochain. Dieu même va amener d'autres personnes. Pour Dieu même chercher l'autre monde pour venir ici. Il est comme ça, il est comme ça. Si vous ne voulez pas m'adorer, si vous voulez m'adorer, les pierres, et wash you, les pierres, wash you, vous m'adorez, je vais l'adorer. Je prophétise sur ton église aujourd'hui. Moi, prophétise sur l'église aujourd'hui. Et si vraiment Dieu m'a appelé. Et si vraiment mon Dieu est là. Tous les manquements dans l'église. Tout manquement dans le ministère. Que le Seigneur te comble au nom de Dieu. Que le Seigneur comble au nom de Dieu. Je ne sais pas si vous voulez déplacer l'église. Je ne sais pas comment vous voulez faire de l'église. Mais tout ce que vous voulez faire. Mais tout ce que vous voulez faire. Dès ce soir. À partir de la soirée. Le Seigneur avec toi. Le Seigneur. Ça ne change pas.
changer. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que mon Dieu bénisse. Ce soir sera spécial. À ce soir est spécial. Parce que nous parlons sur la fondation. Parce que nous avons parlé sur la fondation. Tout bas, monsieur. Non, mais Dieu, mais tout bas. Nous parlons de la fondation. Nous avons parlé de fondation. Je parle aux jeunes. Je parle aux jeunes. Je parle aux vieux. Je parle à grand monde. Je parle à l'assemblée de Dieu. Je parle avec l'assemblée bon Dieu. Je parle à tous les saints qui m'écoutent. Je parle à toutes ces captains de mieux là. Je vous parle au nom de l'Éternel des amis. Je parle au nom de l'Éternel des amis. Je vous parle en présence du Saint-Esprit. Je parle en présence du Saint-Esprit. Aucune parole. Pas de aucune parole. Ne sortira ici. Cap sortir ici. Là. Pour glorifier mon nom. Pour glorifier nos prophètes. Mais le nom de Dieu. Le Seigneur, le Seigneur des amis. Que la glorifier. Alors je passe ma personne. Alors moi je passe cette moi. Je laisse la place à cet esprit. Moi je laisse place à cet esprit. Je vous parle de la fondation. Ma parole de fondation. Vous voyez dans cette maison. Où est le Kaisa? Si la fondation de cette église. Si fondation l'église ça. Ou bien de ce bâtiment. Ou bien bâtiment ça building ça. A un problème en bas. Un problème en bas. Ils sont obligés de casser tout. Ils sont obligés de casser toute bagaille. Vous savez que c'est comme ça. Vous connaissez que c'est comme ça ça fait. Amen. Mais quand il y a le problème d'électricité. Mais là il y a un problème d'électricité. Et il y a le problème d'eau. Ou bien un problème d'eau. On peut amener un technicien. Il y a un technicien. Pour venir réparer. Pour venir réparer ça. Ça c'est autre chose. Ça sont l'autre bagaille. Le problème que toi et moi nous avons. Problème que ou même avec que nous gagnons. Ce n'est pas une question de réparer les choses. C'est pas une question de réparer bagaille. C'est une question de rebâtir notre fondation. C'est une question de rebâtir fondation. Non? Parce que notre fondation est touchée. Parce que fondation est touchée. La Bible dit dans le livre de Somme. La Bible dit dans Somme. Que si les fondations sont brisées. Si les fondations sont brisées, écrasées. Le juste que tu le feras. Et qui s'agit de savoir le faire. Bien aimé en Christ. Bien aimé en Christ. Bon nombre de personnes ici. Qu'un peu le monde là. Là où nous sommes. Côté nous est là. Notre problème. Problème non. Ce n'est pas que l'électricité ou bien l'eau. Ce n'est pas problème d'électricité ou bien problème de l'eau. Mais nous avons un problème de fondation. Mais ce problème de fondation que nous gagnons. Alors j'aimerais que tu m'écoutes ce soir. Alors je vais ma soeur. Si vous ne prenez pas la Bible. Pas prendre la Bible. Vous m'écoutez. Tendez-moi. Elle va lire. Moi-même, moi, je vais lire. Parce que quand tout le monde commence à fouiller la Bible. Parce que là, tout le monde a fait des pages. On va perdre un peu le fil de ce. Nous allons perdre le fil programme non, un peu. Prends la Bible. Dans le livre des Exodes. Exode 2. Exode chapitre 2. On va besoin prendre des pendant que je parle. Pendant qu'elle a parlé. Que l'Éternel ouvre les oreilles spirituelles. Que mon Dieu ouvre les oreilles spirituelles. J'aime écouter Amen. M'dare m'étendre Amen. Amen. Bien-aimé en Christ. Bien-aimé en Christ. Il n'est pas donné à toutes les oreilles. Et va toutes oreilles. D'écouter la parole de Dieu. Et va toutes oreilles qui attendent la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais seules les oreilles qui sont. C'est seules oreilles qui attentives. Amen. Alors je dis que l'Éternel Jéhovah. Que dit à soi l'Éternel Jéhovah. À la présence du Saint-Esprit. À la présence du Saint-Esprit. Ouvre les oreilles. Ouvre les oreilles. Ouvre le cœur. Pour l'ouvrir cœur. Amen. Exode 2, le premier verset. Exode 2, verset 1er. La Bible dit. La Bible dit. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour une femme. Une fille de Lévi. Un homme dans la famille Lévi a pris pour madame une fille dans la même famille Lévi. Le verset 2 dit. Verset 2 a dit. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Et femme ça a été enceinte, elle a accouché un petit garçon. Et le garçon là s'appelle Moïse. Et le garçon ça a été appelé Moïse. Écoute-moi très bien cette nuit. Tendez-moi très bien à soir. Nous n'allons pas finir ce séminaire. Nous pas finir ce séminaire ça. Et ta vie va rester telle qu'elle était. Pour vivre des mêmes gens de hier. Jamais. 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 La Bible dit qu'il y a une femme, que bon femme dans la maison de Lévi, dans maison dans famille Lévi, qui a donné la naissance, qui débaille naissance à un garçon qui s'appelle Moïse, à un petit garçon qui s'appelle Moïse. Mais dans la maison de Lévi, mais dans la caille de Lévi, ils ont un problème. Il y a des gros problèmes. Le problème de la colère. Et problème colère, il y a des colérés. Quand ils sont fâchés, les ont fâchés, ils doivent tuer. Ils doivent tuer mon.
Dans la maison de Lévi. Dans la famille Lévi. Là où Amram, le père de comment? Et la famille, là où Moïse est sorti. Quand Moïse sorti dans la famille Lévi, hein? C'est là-bas, dans la famille là-bas. C'est la famille Salomon. Hein? C'est des gens qui se fâchent. Et Moun Salomon les ont fâchés. Ils doivent tuer. Ils doivent tuer Moun. Ils doivent détruire. Ils doivent détruire. Ils doivent casser. Ils doivent casser. Moïse. Moïse. Lui, il est né. Lui-même, il fait. Il ne connaissait pas ça. Il ne ça. Alors que c'était une fondation. Alors c'était une fondation de sa famille. De sa famille. Moïse ne savait pas. Moïse ne connaît pas dans son sens. Il était bien né. Il était bien né. Il était le meilleur prophète. Il était meilleur prophète. Il parlait avec Dieu. Il parlait à mon Dieu. Dieu parlait avec lui. Mon Dieu parlait avec lui. Dieu était avec lui. Mon Dieu était avec lui. Dieu l'utilise. Mon Dieu l'utilisait. Mais il avait une fondation. Des grandes fondations. Écoute-moi bien. Dans le livre de Genèse 49, le verset 6. Dans Genèse 49, verset 6. Va baisser pour un bibou, je suis lui. Ce soir. À soir. Ton histoire. Histoire. Mon histoire. Histoire. L'histoire de notre famille. L'histoire famille, nous. Va changer au nom de Jésus. Va changer au nom. Va baisser au nom. Va baisser au nom. Alléluia. Le verset 6 là dit ça. Ou bien le verset 5 d'abord dit ceci. Ou bien le verset 5 là mais ça le dit. Siméon et Lévi. Siméon avec Lévi sont le. Siméon et Lévi sont frères. Siméon avec Lévi ont des frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Quand des glaives épais, c'est des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciabule. Que n'âme pas rentrer dans complot ça. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Que l'esprit ne va uni avec assemblée à mon avis. Car dans leur colère. Parce que dans colère yo. Ils ont tué des hommes. Ils ont tué en ville monde. Et dans leur méchanceté. Dans méchanceté yo. Ils ont coupé des jarrets au taureau. Ils ont coupé jarrets quelques taureaux. Maudit soit leur colère. Maudit colère yo. Car elle est violente. Parce que colère ça violent. Bien-aimé en Christ. Quand Moïse est né, le Moïse fait, il était né comme moi, comme toi. Il était fait même j'avais même j'avais. Normal. Normal. Mais il y avait un problème. Mais des gros problèmes. Dans sa racine. Dans la racine. Dans sa fondation. Dans fondation. C'est la colère. C'est colère. Et la violence. Et violence. Mais dans un jour. Mais un jour. Vous voyez? Ouais. Quand la fondation mauvaise est en toi, il se lève mauvaise fondation en haut. Ça se tait, ça reste calme. Il était calmé, il fermait bouche, il silencieux. Tu ne sauras pas qui que c'était en toi. Ou pas même connaissait là. Tout le monde voyait Moïse comme quelqu'un qui est normal. Tout le monde voit Moïse comme un monde qui est normal. Alors que la fondation de la famille. Alors que fondation famille Moïse. Qui est la colère. Qui c'est colère. Est cachée en lui. Il est caché en Dieu Moïse. Nous allons lire la Bible. Nous allons lire la Bible. Dis à ton ami ce soir. Dis à mes amis de la soeur. Je serai sauvé. Je serai sauvé, ma sauvé à soeur. Au nom de Jésus. Dans le livre des autres, 2, le verset 11. Dans Ézéchiel chapitre 2, verset 11. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi nous disons Alléluia? Vous connaissez pourquoi ça me dit Alléluia? Je vais te mettre quelque chose en crochet. Je vais mettre un bagage en parenthèse ou en crochet pour. Si je dis Alléluia. Si je dis Alléluia. Tu n'arrives pas à dire Amen. Pour parler ouvert pour je dis Amen. Et tu n'arrives pas à dire Alléluia. Ou bien pour parler pour nous dire Alléluia tout. Il faut savoir que tu n'es pas dans le Seigneur. Et il faut connaître que vous n'êtes pas dans le Seigneur. Elle dit Alléluia, parce c'est pour dire Alléluia. Parce que Alléluia, c'est le seul langage. C'est le seul langage. Qu'on parle dans les cieux. Que vous parlez dans le ciel là. Si vous allez au Japon. Si vous allez au Japon. Il n'y a pas Alléluia en Japon. Pas bien Alléluia au Japon. Si vous allez en Chine, soit aller en Chine, il n'y a pas Alléluia en chinois. Pas bien Alléluia en chinois. Alléluia, c'est Alléluia. Alléluia, c'est Alléluia dans toute langue. Si vous allez, si vous allez en Haïti, en Haïti, Alléluia, Alléluia, s'appelle Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas d'interprétation pour Alléluia. Interprétation pour Alléluia. Si vous allez au Congo, c'est moi. Soit aller au Congo, là. Si vous allez au Bénin, soit aller au Bénin. Si vous allez au Congo, soit aller dans le Congo. Même ici en Amérique, mais ici en Amérique. Si vous allez à quelque part, où le nom de Jésus est appelé. Où est-ce que vous avez les deux Jésus? C'est Alléluia, il n'y a pas d'interprétation. C'est Alléluia, pas d'interprétation. Donc, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
dit alléluia pour répondre. Pourquoi les chrétiens ne disent pas bonjour? C'est peut-être ça que les chrétiens vont dire bonjour. Entre eux, ils ne disent pas good morning. Entre eux, ils ne vont dire bonjour. Les vrais chrétiens évangéliques. Les chrétiens évangéliques. Quand tu trouves ton ami. Lorsque nos amis. Alléluia. Alléluia pour dire. Alléluia. Alléluia. Parce que arrivé dans les cieux. Parce que l'on vient dans les cieux. Arrivé dans les cieux. Pourquoi quand tu es dépassé? C'est peut-être ça l'a dépassé. Tu ne peux plus prier. Ou pas qu'à prier. Commence pas à marcher dans ta chambre. Ou même commencer à marcher dans la chambre. Commence pas à lui dire. Et puis commence à dire alléluia. Ou même dire alléluia seulement. Alléluia seulement. Pour que tu alléluia seulement. Alléluia. Quand tu commences pas à lui dire. Alléluia, commence à lui dire. Les cieux attendent. Les cieux attendent. Les cieux descendent. Et quelque chose se passe. Ça c'est mon secret. Ça c'est secret, Pam. Tout mon secret. Hein? Ça c'est mon secret. Ça c'est secret, Pam. Quand tout le monde est paniqué. Et tout le monde paniqué. Tout le monde paniqué. Quand tout le monde a peur. Et tout le monde peur. Moi je dis alléluia. Moi même alléluia, me dit. Ça me rassure. Et ça assure. Reçois alléluia au nom de Jésus. Reçois alléluia au nom de Jésus. Reçois alléluia au nom de Jésus. Recevoir donc alléluia au nom de Jésus. Nous continuons par rapport à la malédiction de Moïse. N'a continué avec malédiction Moïse là. Alors je disais. Alors d'abdi où? Dans le livre d'Exode 2, le verset 11. Dans le livre d'Exode chapitre 2, verset 11 là. La Bible dit. La Bible dit. En ce temps-là, Moïse est devenu grand. N'attends ça à Moïse une grand. Première des choses. Premier bagage. Quand la malédiction de la famille. La malédiction famille. Hein. La fondation de la famille. Fondation famille. Hein. Vous savez ce qui se passe? Vous connaissez ce qui s'est passé? La malédiction vient la mauvaise fondation attend. La malédiction mais mauvaise fondation qui ça fait l'attendre. Ça va attendre. L'attendre. Quand tu seras grand. L'envie grand. C'est-à-dire à partir de l'adolescence. Et ça veut dire qu'on commence à rentrer dans l'âge adolescent. C'est là-bas. C'est là. On commence pas à voir les manifestations. Il y aura une manifestation, malédiction. Tu ne peux pas te marier, ça devient difficile. Mariage est difficile pour vous. Pour avoir d'enfants, c'est bien difficile. Et pour faire petit, c'est bien difficile. Quand tu vas quelque part, tout le monde te l'envoie. Et l'on arrive au côté tout qu'on est envoyé. Tu peux déposer visa 1000 fois. Ou qu'à déposer pour visa 1000 fois. Je vais mettre encore quelque chose d'encroché pour vous. Je vais mettre ton bagage en parenthèse encroché pour vous. Dis prophète, parle. Dis prophète, parle. Dis prophète, parle. Chez nous en Afrique. La calme en Afrique. C'est là-bas on a pris les esclaves. C'est là où tu prends tous les esclaves. Yo. Pour donner dans le monde entier. Pour débattre dans le monde entier. Dans une de mes révélations. Dans une révélation, moi, yo, il y avait un grand homme dans notre pays. Un grand homme dans le pays, nous. Au Bénin, là-bas, il y a un grand homme. Au Bénin, dans le pays, nous, un grand homme. Là où je fais le ministère, il y a un grand homme. Côté mon ministère, nous, un grand homme. Là. Ses enfants ont bien fréquenté. Petit, ils ont bien fréquenté. Mais ils ne voyagent jamais. Mais ils n'ont jamais voyagé. Un jour. J'ai fait sortir ce monsieur. Moi, fais monsieur ça à sortir d'une côté. Dis prophète, parle. Dis prophète, parle. Je lui ai dit, tu sais pourquoi tes enfants. Ou, moi, dis qu'on s'en compte, pourquoi ça petit tout. Ils ont des doctorats, ils travaillent dans le gouvernement. Ils ont des doctorats, ils travaillent dans le gouvernement. Mais pour voyager. Mais pour voyager. Ils meurent à l'aéroport. Ils allaient à l'aéroport. Ils meurent. Ils ont mouru à l'aéroport. À l'aéroport. Ils ont mouru à l'aéroport. Ou bien la veille de leur voyage. Ou bien la veille voyage, ils meurent. Ils ont mouru. Vous savez pourquoi? Pourquoi ça? Quand on prenait les grands-papas de la famille là. Les autres prennent grand-grand-grand-papa famille ça. Pour envoyer chez les blancs. Pour te voyer le caille blanc yo. Ils étaient deux. Ils étaient deux. Ils ont pris son second. Ils ont pris un deuxième non. Pour envoyer à l'étranger. Pour envoyer à l'étranger. Lui-même. Il était fâché. Il était fâché. Et il s'est tenu à la plage. Il est campé dans la plage là. Et il a dit. Il dit. Moi-même. Dans ma génération. Dans la génération. Aucun de mes enfants. Pas que mon enfant n'ira plus chez les blancs. Qui va jamais caille blanc. My God. Il avait dit ça depuis. Il avait dit ça longtemps. Lui il est mort. Lui-même il est mort. Son père est mort. Papa il est mort. Son grand-papa est mort. Grand-papa il est mort. Mais la parole.
avait dit. Ça lui-même il était dit. Depuis les années 1800. Depuis en 1800. Lors de l'esclavage. Lors de l'esclavage. La parole est restée jusqu'à l'an 2000. La parole s'arrêtait jusqu'à 2000. Les enfants n'arrivent pas à fréquenter à l'étranger. Petite Léo Bajam voyage. Rien ne marche dans leur vie. Non, il n'y a pas marché dans leur vie. Il ne peut pas aller à l'aéroport. Il va même qu'à aller à l'aéroport. Il ne peut pas venir chez les Blancs. Il va qu'à aller à l'aéroport. Il ne peut pas venir en France. Il va qu'à la France. Il ne peut pas venir aux États-Unis. Il va qu'à venir aux États-Unis. Il ne peut pas prendre l'avion. Il va qu'à prendre l'avion. Parce que. À cause de la colère. À cause de la colère. Dans l'ancien temps. Ancien temps. La fondation là est restée dans la famille. Fondation ça le restait dans la famille. Et c'est le jour là. C'est le jour. Que cette famille. Que famille ça. Après la prière. Après la prière. Les enfants ont commencé par mettre le pied. Eh, Simon ça a commencé à mettre le pied. Dans l'avion. Dans l'avion. Pour voyager. Pour voyager. Pour toi. Pour toi va changer. La Bible dit, il se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regardait à droite. Et il est allé tuer l'Égyptien. Moïse n'était pas un meurtrier. Moïse pas de jambe meurtrier. Mais à cause de la fondation. À cause de la fondation, famille. De ses parents. Parole, Moïse est devenu criminel. Moïse est devenu criminel. Est-ce qu'on comprend? Et c'est à cause de Moïse. C'est à cause de Moïse. Que les enfants d'Israël. Que petit Israël, lui. N'ont pas vite quitté Israël. N'ont pas qu'à quitter Égypte. Parce que le moment où. Où tu devais l'utiliser. La malédiction l'a utilisé. Malédiction plein de familles. Alors quand il a tué, il avait honte. Il honte. Et il a fui le pays. Il est obligé de quitter le pays. Amen. Amen. Il a fui le pays. Il est obligé de quitter le pays. À cause de la malédiction. À cause de malédiction. De mon père. De papa. De ton père. De papa. Ce que nos aïeux. C'est que nos ancêtres nous l'ont. Ils ont fait. Ils ont fait. À cause de ça. À cause de ça. Le moment où Moïse. Il a tué. L'obligé de tuer. Et il est parti. L'obligé parti. Il prend la fuite. Et ceux qui devaient avoir la paix en ce moment. Et le moment ça a été doué. Moun qui devait avoir la paix. Grâce à Moïse. Grâce à Moïse. Ils sont morts. Ils ont été obligés de mourir. Parce que quand il est parti. Parce que là il est parti. Il a fait 40 ans. Il fait 40 ans. Avant de revenir. Avant de retourner. À cause de la malédiction. À cause de la malédiction. De ton père. De papa. Ce que tu devais être aujourd'hui. Ça a été fait aujourd'hui. Ça a pris de temps, plus de temps. Ma palais de bagaille qu'on y a là. Si tu es ici, sous là, normalement, à l'âge de 15 ans, tu devais avoir le bac. Ou des deux faire baccalauréat. À 20 ans, tu as le bac. Ou obligé d'un baccalauréat. Normalement, tu devais commencer par étudier. Ou des deux étudier. Mais à 50 ans, c'est maintenant tu étudies. C'est qu'on y a en bêtise. Tu devais travailler. Ou des deux travailler. Tu n'avais pas travaillé. Pas jamais travaillé. C'est maintenant. C'est qu'on y a. À l'âge de 37 ans. À l'âge de 37 ans. 40 ans. 40 ans. Je parle, hein. Eh, ma parole, oui. Le plus de Dieu. À 45 ans, tous ceux qui sont dans cette situation, tout le monde qui est dans cette situation,
Kounia. Le Seigneur va intervenir dans ta situation cette nuit. God is going to intervene in your situation this night. Receive it. He's speaking to you. À quel âge? À quel âge? Tes camarades se sont mariés. Camarades se sont mariés. Moïse était loin. Moïse était loin. Je parle avec lui. Moi, tu étais qu'on parlait avec elle. Mais à cause de la fondation. Mais à cause de fondation. Moïse tourne en rond. Bon, Moïse oblige à tourner en rond. Moïse tourne en rond. Moïse a tourné en rond. Moïse tourne en rond. Moïse a tourné en rond. Pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Et ce n'est pas fini. Et ça va finir, non? Jésus. L'argent ne remplace pas la gloire de Dieu. Et l'argent va remplacer la gloire de Dieu. Amen. Rien ne remplace la promesse de Dieu. Rien va remplacer la promesse de Dieu. Si tu ne vois pas la promesse de Dieu, tu vois la promesse de Dieu. Tu as un problème dans ta vie. Un problème dans la vie. Je te parle de quelque chose. M'a parlé un bagage à soi. Ce qui m'a donné la vie aujourd'hui. Et ça donne la vie aujourd'hui. Moi, dans ma famille, personne n'a acheté une voiture. Moi-même, dans ma famille, pas un monde qui t'a acheté une machine. Dans ma famille. Dans ma famille même. Ah, wow. Personne n'a acheté quoi? Pas chambon monde qui t'a acheté rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Nous sommes les pauvres. Nous sommes pauvres. On se promène sur les dépotoirs. Et c'est sous dépotoirs où nous nous promenons. On tombe dans les marchés. C'est nos marchés où nous nous promenons. Pas pour le monde de la famille. Un jour. Mais un jour. Le Seigneur m'a tendu la main. Le Seigneur m'a tendu la main. Le Seigneur m'a tendu la main. Alléluia. C'est pourquoi moi je ne peux rien montrer à quelqu'un. Et ça fait moi-même que je ne peux montrer rien à personne. À part Jésus. Que à part de Jésus, je ne peux montrer mon nom encore. Alléluia. 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 Rien encore. Alléluia. Non, je n'ai rien. Moi-même, je n'ai rien. Jésus seulement. Moi, je n'aime pas d'argent. Moi-même, je n'ai rien. Jésus seulement. Jésus seulement. Et il m'a dit pour l'argent, je n'ai rien. Jésus. Et mais pendant cet homme, dépasser toute bagaille. Pendant que je parle ce soir. Pendant que je parle à soir. Si tu ne sais pas prier, tout de suite tu vas prier. Si vous ne pouvez pas prier, tout de suite vous allez prier. Tu vas prier tu, comme tu n'as jamais prié. Vous allez prier, tu ne vas pas être chum pour prier auparavant. Tu vas taper les mains, tu vas prier. Vous allez frapper, vous allez dire paroles, attendez. Tu vas dire toute fondation de ma famille. Vous allez dire toute fondation de ma famille. Qui m'a retardé. Qui retardé. Sois brisé au nom de Jésus. Je vous reclasse au nom de Jésus. Tape le nez, tape le nez, prie, tape le nez, prie, tape le nez, prie, tape le nez. Ta décision ce soir. Décision à soi. Va changer ta vie. Il va changer vie. Oh. Peut-être c'est toi. Peut-être c'est vous-même. Qui doit remonter votre famille. Qui doit remonter famille. Qui doit les normalement. C'est Moïse. C'est Moïse. Qui devait donner la paix à la famille. Qui devait donner la paix. Qui devait à cause de la fondation. À cause de fondation. Il a traîné ça durant 40 ans. L'obligé traîner ça pendant 40 ans. Tu vas dire fondation de ma famille. On va dire fondation famille. Et dit fondation famille. Ce soir. À soir. Tu es cassé au nom de Dieu. Tu es cassé au nom de Dieu. Tu es cassé au nom de Dieu. On est juste dans la présence de Dieu. Ça le dit, c'est ça pour répéter.
causerie. Ça ressemble à la causerie. Ça ressemble à une causerie, à une blague. Mais ton avenir dépend de là. Mais avenir dépend de ça ou en affaire là. Je sais de quoi je te parle. Mais ma côté qui ça m'a parlé. Ce que la fondation m'a montré. Sa fondation m'a montré. Ce que la fondation m'a montré. Sa fondation m'a montré. Si je te dis mon âge. Si nous l'âge moins. Tu seras surpris. Ou saisi. J'ai vieilli à cause de la fondation. Moi, vieilli à cause de la fondation famille. Ah. La fondation de la famille. Fondation famille. Vous allez comprendre. Quand Moïse était devenu adulte. Mais Moïse est adulte. C'est le moment où elle devait donner à manger à Séphora. C'est le soldat de Dieu et Séphora à manger. C'est le moment où elle devait donner à manger à Abraham, à son père. Et le soldat de Dieu papa le manger. En ce moment même. Le moment ça même. Où Moïse devait devenir quelqu'un. L'aide de venir au monde. Pour sauver les gens. Pour sauver le monde. Nourrir sa famille. Libérer sa avec famille. La malédiction. Malédiction. Est sortie. Il est sorti. Et il a fui. L'obligé marron. Oh. Les amis. Viens donner en Christ. Viens donner en Christ. Même tu peux changer de pays. Mais on peut changer de pays. Tu peux changer de femme. On peut changer madame. Tu peux changer de mari. On peut changer mari. Ça ne change pas les problèmes. Ah, ça va changer les problèmes. Là. Demandez à ceux qui se sont divorcés. Demandez à ceux qui ont divorcé. Demandez à ceux qui ont quitté leur mari, leur femme. Demandez à ceux qui ont quitté mari, quitté madame déjà. Demandez à ceux qui ont changé de pays. Demandez à ceux qui ont changé de pays déjà. Ils vont vous dire. Il y a deux. Que chaque jour les billes courent derrière. Chaque jour il y a couille derrière. Et même ils courent. Il y a même il y a couille. Est-ce que le problème est fini? Est-ce que le problème est fini? Non. Mais quand la malédiction est brisée, la Bible dit, la richesse de Dieu, cela n'est suivi d'aucun chagrin. Ah, la suivi aucun chagrin. Ah, la richesse de Dieu n'est pas suivi aucun chagrin. Ne dépose même pas de dossier. Ou pas même déposer un dossier. Quelqu'un viendra chez toi à la maison. Et puis au monde vient la caillou. Il va te dire on cherche quelqu'un pour travailler. Et là va dire comme ça, il cherche mon bout de travail. Il a dit on bon. On va dire bon. Ah oui, c'est la bénédiction de Dieu. La bénédiction a fait ça, oui. Tu te cours derrière toi, non? Les gens vont courir derrière toi. C'est ça bénédiction mon Dieu. Tu ne cours derrière toi. Tu pas courir derrière pièce mon. Les gens vont courir derrière toi. Alléluia. Alléluia. Pas courir derrière. Alléluia. Je me souviens. Et me songer. Je me souviens. Moi songer. Quand j'allais prendre mon premier visa. L'embal mon premier visa moi. Tout le monde sait que nous là. Tout le monde connaît que nous-mêmes, on n'a même pas de carte d'identité. Nous n'avons même pas de carte d'identité. Allez voir tout ça. Tout le monde connaît. Mais un jour. D'accord. Les gens vont te voir. 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 Je sens la gloire de Dieu en ce lieu. Je sens la gloire de Dieu. Je sens la gloire de Dieu en place. Parce que le Seigneur parle à quelqu'un. Ah, parce que le Seigneur parle à un monde là. Je ne vais pas m'approcher des gens individuellement. Et ma belle va approcher par un monde individuellement. Mais le Seigneur est en train de te parler. Mais le Seigneur parle à un monde spécifique là. À travers son canal. Ah, à travers le canal. Amen. Quand Moïse est devenu adulte, le Moïse est un adulte. Au lieu de bénir, au lieu de bénir famille, au lieu de donner à manger à quelqu'un, et au lieu de la faire au monde manger, Moïse s'est retrouvé à l'exil. Moïse obligé à l'exiler. Oh, alléluia. Alléluia. Moïse ne se rendait pas compte. Moïse va te rendre compte que c'est la malédiction de la famille. C'est malédiction famille.
qui s'appelle la colère, qui t'aime les colères, qui est en train de le détruire, qui t'a détruit, qui est en train de le tuer, qui t'a tué. Moi je ne connais pas la malédiction de ta famille. Moi même je connais pas la malédiction de moi. Normalement Moïse était appelé, littéralement, pour délivrer le peuple. Après lui-même, il va aller à Cana. Pour aller à Cana. Quand il va à Cana, il va manger bien là-bas. Bien dormir. Pour bien dormir. Et mourir en paix. Et pour mourir en paix. Un jour. Nombre 20. On va bien se faire Bible suivre. Dis pas le prophète. Si le prophète parle. Un jour. La Bible dit que les enfants d'Israël sont venus au niveau des eaux de Meriba. L'enfant et Israël étaient arrivés dans l'eau Meriba. Alors tout le monde commençait pas à insulter Moïse. Et tout le monde commençait à insulter Moïse. Dis Moïse. Pourquoi tu nous as amenés ici? Pourquoi tu nous amènes là? Tout le monde commençait pas à parler mal de Moïse. Tout le monde commençait à parler Moïse mal. Comme il y avait la fondation de la famille. Comme il y a une fondation famille Moïse là. La colère. Dans la vie de Moïse. Qui demande de Moïse, dans la vie de Moïse. Quand Dieu l'a parlé dans la colère. Les mots t'ont parlé dans la colère. Lui et Aaron. Et lui-même avec Aaron. Il a dit. Moïse et Aaron. Moïse avec Aaron. Allez à côté du rocher. Allez à côté du rocher. Parlez au rocher. Parlez avec rocher. L'eau va sortir. Moïse. La malédiction. Malédiction. De la colère qui était en lui. De collecte dans lui. Ne savait pas que. Le rocher. Là, C'était Jésus. Il ne savait pas. Quand il y a la malédiction à toi. Il y a des malédictions en vous. Il est difficile pour toi de recevoir les révélations. Il est difficile pour recevoir des révélations divines. Il dit Moïse. Allez au niveau du rocher. Allez par côté rocher. Hein? Parlez au rocher. Parlez avec rocher. Hein? L'eau va sortir. On n'a pas dit à Moïse. Il n'a pas dit Moïse. De taper le rocher. Pour la frapper rocher. Parce qu'on ne tape pas. Parce que pas taper. Le roi. Qui est là-bas. Qui était là dans le rocher. Il ne savait pas. Mais il va connaître. Parce que la Bible dit. Que moi je suis. Que lui-même lui la source de vie. La source de vie. Quelqu'un vient chez moi. Si on vous vient côté, il va boire de l'eau vivante. Amen. C'était Jésus. C'était Jésus rocher. Qui était dans la révélation. Qui était là calme. Qui était calme. Moïse ne savait pas. Moïse va connaître. Il va connaître. Mais comme chaque jour, la colère t'a manifesté la Kaïli. Il a manifesté cette colère. Il a manifesté cette colère ça. Et il a tapé. Il a frappé. Rocher. Dieu était touché. Bon Dieu insulté. Dieu était touché. Bon Dieu était touché par l'action ça. Il dit comment? Mais qui Jean? Vous pouvez tester. Pourquoi ils font bagaille comme ça? Je ne vous ai pas dit. Est-ce que Mbado? De taper. Et Mbado vous t'est tapé? Je vous ai dit de parler. Vous êtes joué parler pour parler. Parce qu'il y a quelque chose. Là. Parce que vous bagaille ne roche ça. Pourquoi je vous ai dit de parler? C'est ça que vous êtes parler. Vous ne voyez pas ce que je veux dire.